Eh bien, salut gens, on se retrouve ici pour la suite de GTA V. Et cette fois-ci, on se retrouve pas en mode en ligne. On se retrouve pour l'émission de nouveau, comme promis. On va continuer avec eux maintenant. Enfin, en même temps, je fais aussi un peu dans ligne. On verra ça. Comment ça va se passer exactement. Hey Molly, I'm outside the studio. All right, go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part, or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Trouver l'acteur. Ok. On y va, on y va, on y va. Est-ce qu'on est armé? Bah, plus ou moins. Pineapple in it. I don't know how many times I have to tell you I'm allergic. Do you understand? Do you understand? Now listen to me. Just get the fuck out of here. I'm sick of looking at your face, Tina. Oh, ta da na la la fa. Ça c'est direct, le mec il est en train de faire LOL. Et puis la bombe. Plus rien, d'un coup. Oh, beau gosse, le petit Franklin. Allez. Montez dans la voiture. Y a plus personne dans les environs. You need to get on set. Where the hell is Brandon? Jesus! Are you gonna find him? Someone's gotta find him! Anyone know who this guy is? Is this the new stunt guy? At least get him a mask, or makeup, or something! Somebody do something! I'll kill you! I'm having to prove this guy! Wow, 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 les gars, tranquille, tranquille, wow! Putain, mais comme ils sont agressifs les gars ici. Alors si je ne me trompe pas, c'est la voiture qu'on peut acheter sur internet. Enfin, internet du jeu quoi. La voiture de James Bond, son gadget là. Ah putain. Mais je crois que celle-là elle est avec des gadgets. Appuyez sur pour lâcher des points. Ah oui, effectivement. Tiens mon ami. Donc effectivement, elle est avec des gadgets. Mais je sais pas en fait si on peut la trafiquer. En fait, si on l'achète normalement. Ça lui a rien fait. Ok. Ah ben voilà. Et maintenant. Ce serait bien s'il me marque le chemin en fait. If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. All right, cool. I got the car. No drama. That's good. The studio is enough of a money sink without the costs that that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Spikes, yeah. But the seats is fine. Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Ok. Donc, c'est vraiment bien, il y a des petits gadgets comme ça. J'aimerais bien savoir si on l'achète la voiture sans gadget, est-ce qu'on peut aller à Los Santos Customs pour la customiser, l'améliorer quoi. On va tester les prochains jours, ou alors vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous le savez déjà. Oh là, il y avait un bug d'image. Hein. Waouh, effectivement, ouais. Il n'y avait pas ce mur jusqu'à maintenant. Putain. Mais comme ça, c'est dangereux. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge, shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Movie people.
You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker! You doing it big, my nigga, on the set! Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. could do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Okay. Ah oui. Silence, on tourne. Très bien. Quoi? Tu me parles pas comme ça, d'accord? Casse-toi, vas-y. Pom. Avant que l'agressivité monte encore plus. Mais putain, mais personne veut s'arrêter là. On va faire une prochaine mission, bien sûr, encore. Vous savez quoi? On va faire une petite mission d'inconnu et détraqué. Voilà, on pourra aller dans... cachette d'herbe. On verra. On verra déjà combien de temps ça va durer le des inconnus et des traqués. Mais ce jeu, ça me... Bon, le mec, il... attendez, je vais d'abord prendre une voiture avant que je tue encore plus de prostituées sur les routes. Ça va pas le faire. Donc, je préfère me prendre une voiture. Comme ça, au moins, je fais pas la même chose. Je le fais plus propre, on va dire. Et en plus, je me chope une étoile. Vous voyez, ça, c'est plus réglo, quoi. Bon, par contre, là, il y a des flics qui arrivent. Oh, putain, ils m'ont plus vu. Fais chier. Oh, putain, en plus, je vois pas les panneaux. Là, ça va pas le faire. Donc, comme quoi, les crimes, c'est pas bien. Vous le voyez, il faut jamais écraser des prostituées. Pas bien pour la santé et puis en plus c'est pas bien au niveau police et tout. Surtout que j'ai pas la voiture la plus rapide de jeu. Mais bon, elle est assez belle, enfin non même pas mais... Mais bon, c'est pas grave. Maintenant il faut aller où? C'est là. Oh putain, par contre, ça ils vont me faire chier là. Putain, et tout ça juste parce que j'ai écrasé les prostituées. C'est donc pas si grave que ça non plus. Je pense que il faut d'abord larguer les flics avant de pouvoir commencer la mission. Et ça serait vachement cool s'ils me lâchent en fait. C'est... Ouais, en fait, avec cette voiture-là, ça va être impossible de les larguer. Parce que... Ouais, c'est chaud, là. Ils sont chiants, là, franchement. Oh, putain, en plus, il y a des choses qui apparaissent comme ça, en plein milieu du truc. Ça va pas le faire, là. Pourquoi mon jeu, il bug comme ça? Bon, ça, par contre, ça, c'est moi. Mais... Pourquoi il y a des trucs qui apparaissent comme ça? Pas bon quoi. T'as en plus moi qui fais de la merde encore en plus là. Oh non! Bon les gars par contre là il faut qu'une nouvelle voiture là, je suis désolé.
Merde, ils vont me voir là. Bonjour. Putain, fais pas chier là. Putain, ils m'ont même pas vu, les cons. Les cons. On va rendre là, c'est exactement la mauvaise direction. On va vers là. Et on bouge. Maintenant, il faudrait juste savoir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que. Ils sont bougés, les détraqués. Donc. En fait, j'ai pas encore essayé. Qu'est-ce que ça donne, ces genres de. De missions de drogue, là. Enfin, en tout cas, chercher d'herbe. Les cachettes d'herbe. Je pense qu'ils sont dans des camionnettes ou des trucs comme ça. Mais ça, on verra. Bon, maintenant, on va essayer ça, du coup. Ah bah là, maintenant, il y a de nouveau la mission détraquer inconnu. Eh, mais ils font exprès ou... C'est juste pour me faire chier. Du coup, on va faire ça. Oh non! En plus, il y a un méga chemin à prendre, là. Ça, les gars, ça me va pas. Je vais faire du faux sens. Enfin, tout contre-sens plutôt. Ça vient de dire en Suisse ici parce que. Tous les chemins qu'il y a. Attendez. Bonjour. On va bien aller sur cette route là en fait, si possible. Ouais, bien sûr. Voilà. Ah, mais c'est sur l'autoroute là-haut. Ah, d'accord. Putain, les chemins que je dois prendre là, juste parce que j'ai écrasé les prostituées, c'est pas bon, quoi. C'est moins chavard. J'ai un déjà vu parce que je suis déjà passé par là. Mais cette fois-ci, c'est le bon. Même si on a perdu beaucoup de temps là, c'est pas grave, c'est la vie. Non mais tu vas pas me dire que j'ai fait le tour pour ça que... En plus le GPS il me montre le mauvais chemin là. Putain. Eh mais ils sont chiants là franchement. J'ai déjà pensé que c'était pas sur l'autoroute. Mais bien sûr le GPS lui il me montre tranquillement. Ouais ouais c'est vers là tranquille. Ne t'inquiète pas moi je fais le boulot. T'as juste à faire le chemin. C'est ça ouais. Ah bah ça va être une course. Are you kidding me? Non, non, attends. Je vais prendre une meilleure voiture, désolé, mec. Ouais, une meilleure voiture. Est-ce qu'il y a une meilleure voiture, monsieur? Bonjour. Contrôle de papier, putain, mais en plus. Putain, mais c'est des gros malades. Calmez-vous, les gars. Putain, mais l'agressivité, bon, j'ai la même voiture, c'est pas grave. On va prendre celle-là maintenant, du coup, en fait. C'est pas grave. C'est pas ça que je voulais faire. Putain, mais. Alors là, aujourd'hui. D'abord. Le fail avec les flics, maintenant ça. Putain. Non, pas yet. Il doit être slacking. Il est toujours slacking. Il est un fool, bro. Oui, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Peut-être qu'on va... Peut-être on va trouver... une meilleure voiture sur le chemin. Ça serait cool. Parce que disons avec celle-là... ça va être un peu chaud. En fait celle-là on peut pas la prendre. Je pense qu'elle est faite exprès. Mais bon, c'est pas la meilleure non plus. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle est déjà mieux que celle-là. Oh là, elle dérape celle-là. Je la sens pas trop. Mais bon, on va quand même essayer de faire la course en espérant qu'elle est pas trop dure. Et puis, si franchement elle est trop dure, il faut changer de voiture. On va prendre une voiture plus rapide. Est-ce que celle-là est pas mieux? On va quand même essayer avec celle-là, c'est pas grave. Let's see what we got.
Is that how you want to play? Donc, je pense qu'il faut gagner la course. Je parie. Et puis, on va profiter des ralentis pour passer tranquillement la chicane. Voilà. Voilà. Ok, bon, cette voiture, je la contrôle pas trop encore, mais... Ah, avec les ralentis, ça devrait y aller normalement. En plus, cet épisode, elle est un peu fail, donc ça va bien dans le thème si je gagnerai pas la course. Ou si je fais des beaux crashs encore à la fin, tu sais, juste avant la fin, un beau crash encore. C'est bien dans le thème de la vidéo. Ouais, genre des trucs comme ça, voilà. Très bien. Oh là ! Non, 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 non. Non, non, alors là, vous avez pas rajouté parce que là, ça m'énerve. Ça, déjà, en ligne, ça m'arrive, mais alors, en plus, si vous le faites là, maintenant, sans être en ligne, c'est pas bon, quoi. Là ça sert bien les ralentis dans les chicanes là. Oh putain non. Voilà. Non. Non 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 non, vous êtes pas sérieux. Ouais, oh shit, putain les gars. Pourquoi ça me compte pas là? En plus la voiture qui démarre pas, alors ça c'est ça m'énerve. C'est des trucs qui m'énervent vraiment parce que entre les mecs qui me poussent en ligne, ça je suis d'accord encore parce que c'est un peu le jeu quoi. Mais alors si là en plus ils me mettent à me pousser, voilà, ça me déconcentre complètement, ça me déstabilise dans ma façon de voir les choses et tout. Du coup je fais des crashs. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais on est en ligne là ou c'est quoi le délire? Putain mais alors là, mais tout le monde me pousse là, c'est... Putain les gars. Vas-y, faites pas chier. Franchement on n'a pas gagné, ouais c'est ça. Mais l'autre, il a non plus gagné, donc allez vous faire foutre. Bon. Sur les courses, il faut que je m'entraîne encore un peu. J'espère que ça va pas tout de suite commencer avec cette voiture, parce que celle-là, je l'arrive pas du tout. Je vais me choper une meilleure voiture, si c'est possible. Celle-là, elle démarre pas déjà, et en plus, elle glisse trop. Ah bah merci. Merci de me laisser la chance de changer de véhicule, c'est très sympa. Et vous voyez que au niveau d'accélération, on a tous nos chances déjà de le laisser partir surtout. Mais bon, c'est pas grave. Merde. Quel con. Mais je la sens trop pas. Merci de se mettre. Voilà, merci. J'aurais jamais dû prendre cette voiture. J'aurais pensé que c'était une course tranquille juste contre lui par exemple. Mais non. En fait c'est une course avec plein de monde déjà. Et puis en plus avec celle-là, ça le fait pas du tout. Bon après, quand elle a pris son élan, ça va, elle a une belle vitesse de pointe quand même.
Enfin, voilà. Franklin, il est habitué mieux, quoi, avec la Audi décapotable que j'ai dans le garage, mais... quand même, ça va déjà pour une voiture pourrie comme ça. C'est pas mal. Mais... c'est au niveau d'accélération et au niveau des virages qu'elle est chaude à faire, en fait. Ah putain, ouais, et au niveau frein aussi. Oh mais arrêtez de me pousser là, ça me... c'est chier ça à chaque fois. Putain mais elle part trop en live. J'ai trop peur les virages là. Je vais prendre tellement qu'elle part. Et j'aimerais bien que les ralentis se rechargent un peu là. C'est vachement cool. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis à fond sur l'accélération, elle accélère plus. Ah si, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Quand je freine, elle met à mort du temps à reprendre. Clairement plus qu'avant. Non, non. Et toi, tu me fais pas chier! Et c'est compté, please. Hein. J'ai gagné la course, juste pour notice. Voilà. Rentre chez vous, les gamins. Voilà, donc ça c'est fait. Continue. Et puis. Bah, c'est bon, on a fait la course. Et on a fait une petite mission aussi avec. Et je vous propose qu'on arrête là. Et on reprend. Bah, les prochains jours. Enfin, je vais essayer demain, quoi. De faire la suite de GTA V. Et puis, de temps en temps, comme dit, je vous présenterai peut-être des vidéos du en ligne si ça bug pas trop. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réessayé d'aller dessus. Mon personnage était plus créé. Il n'y avait plus rien. Donc, il faut voir comment ça peut continuer. Ah, ouais, j'ai eu de la chance. Ouais, c'est vrai. Ouais, par rapport en ligne, on verra encore. Mais je pense qu'il patchera ça les prochains jours, j'espère en tout cas. Et puis, il cherche quelqu'un là. Pour une fois, c'est pas moi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même, malgré tous les fails que j'ai fait dans cette vidéo. La prochaine, elle sera avec moins de fails, j'espère. Et comme dit, ouais, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, à très très bientôt les gens.